Léonie Avia, 11. Joie encore mêlée d'un serrement de cœur. Sœur Françoise de Sales accompagne à la gare du Nord, le 23 juillet 1883, les partantes pour la fondation en Afrique du Sud. Trois oblates s'embarqueront au Havre et, via l'Angleterre, rejoindront le père Simon, déjà à l'œuvre depuis un an, à Pella, dans la région du fleuve Orange. La prophétie de la bonne mère, de la mère Chapuis, elles se répandront par toute la terre, va s'accomplir. Sœur Françoise de Sales est dans l'action de grâce. Le 9 juillet 1888, même émotion en laissant partir vers l'Amérique du Sud trois jeunes pionnières dont l'aînée est novice, les deux autres encore postulantes. Elles sont reçues à Riobamba, en Équateur, par le père David de Gislin, oblat plein de sagesse et de zèle. Il sera leur père. Les Annales salésiennes, revue mémoire des oblats de Saint-François de Sales, fondée en 1888, relateront les débuts héroïques qui, à l'égal de ceux d'Afrique du Sud, porteront de si beaux fruits. Dieu a protégé, fécondé les humbles commencements. Sœur Françoise de Sales suivra toute sa vie, avec une prédilection maternelle, ses enfants partis au loin, vivre dans des conditions particulièrement difficiles, pour le seul amour de Dieu et des âmes à elle confiées par l'obéissance.